proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique-Joseph. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un nouveau projet qui pourrait intéresser certains d'entre vous. Puisque nous reprenons le temps ordinaire lundi prochain, je propose un nouvel itinéraire, un rendez-vous hebdomadaire. Chaque lundi, aussi régulièrement que possible, je vous proposerai un nouveau rendez-vous dont la première caractéristique sera d'être une parole aussi libre et aussi peu structurée que nos rendez-vous euh, quotidiens, mais en plus, il n'y aura pas de format de temps, il n'y aura pas de contrainte de temps. Peut-être ça durera 20 minutes, peut-être ça durera une demi-heure, peut-être ça durera trois quarts d'heure, peut-être ça changera d'une semaine à l'autre, on verra suivant les sujets. En tout cas, nous aurons davantage le temps de méditer, nous prendrons souvent des textes bibliques, soit pour les lire directement, pour en faire une méditation verset par verset en prenant le temps de la lecture, soit pour parcourir des plus grands ensembles, pour en voir les grandes structures ou les grandes questions thématiques qu'ils contiennent. Bon, vous vous doutez bien que de temps en temps, nous aborderons quelques questions philosophiques ou psychologiques ou théologiques ou littéraires, peut-être même nous, nous commenterons quelques romanciers ou quelques poètes, on verra. Mais il y aura un fil rouge, donné par le titre de ce nouveau podcast qui s'appellera Reconnaissance. Ce thème est essentiel, c'est le thème de la confession. Même si nous allons papillonner, même si nous allons prendre des chemins et des détours pour explorer ce vocable, je voudrais en donner un aperçu aujourd'hui à partir de la fin. Notre itinéraire ne sera pas balisé, mais il est orienté. Et la fin, c'est la question que Jésus adresse à chaque homme, et particulièrement à chaque chrétien. Pour vous, qui suis-je Qui dites-vous que je suis vous voyez qu'il y a de grandes harmoniques bibliques dans cette question, parce que qui dites-vous que je suis Je suis, c'est le rendez-vous d'Exode 3, de Moïse et du buisson ardent, où Dieu vient à l'homme comme une affirmation, je suis. Je suis celui qui suis, je suis celui qui était, je suis celui qui serait, enfin, je suis un absolu. Et voilà que dans l'Évangile, Dieu vient à l'homme dans une question, qui dites-vous que je suis Qui est je suis pour vous Et l'Église se lève, et Pierre se dresse, et prend la parole, tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Donc en venant dans une question, Dieu sollicite une réponse. Il engage un dialogue entre un je et un tu. Et la réponse de Saint-Pierre est sanctionnée par une réponse magnifique tu es Pierre. Donc, vous voyez le triptyque d'ensemble, le cadre d'ensemble de notre méditation. Qui dites-vous que je suis Tu es le Christ, tu es Pierre. Dans ces trois répliques, nous avons la synthèse théologique de toute Christologie, de toute Anthropologie. C'est en disant qui est le Christ, c'est en annonçant qui est le Christ que nous découvrons qui nous sommes, et nous le découvrons par la parole du Christ qui répond à notre affirmation croyante. L'identité profonde de l'homme, c'est d'abord celui qui répond, celui qui répond à l'interpellation, à l'invitation, au tutoiement que Dieu lui adresse. Il revient donc à l'homme un esprit d'initiative, de se lever, un esprit avec un E majuscule, un esprit de pentecôte, qui fait que l'Église se lève et affirme Dieu. Tu es le Christ. C'est la première reconnaissance, c'est reconnaître Dieu en Jésus-Christ. Et il y a ici une naissance, un mystère baptismal. Tu es Pierre. Dans cette naissance de Saint Pierre se noue aussi un contrat conjugal, un acte de mariage. Pierre... Parle au nom de l'Église et prend ainsi l'Église pour épouse. Il l'a conduit au Seigneur. Par lui, c'est l'Église tout entière qui s'adresse au Christ, qui confesse la divinité de Jésus et qui tient debout par cette confession en parole et en acte à travers les cultures, à travers les siècles, à travers tous les aléas de l'histoire. Et sa parole est toujours attachée à celle de Pierre, une communion de confession entre Pierre et l'ensemble des croyants et l'Église tout entière. Et dans cette naissance et dans ce mariage, il y a l'avènement de l'humanité. Ce pécheur de Galilée n'accède à son identité profonde, à sa dignité réelle, qu'en se recevant du Christ qui lui dit ⁇ Tu es Pierre ⁇ C'est en cherchant à connaître Dieu que l'homme accède à la pleine connaissance de son propre mystère. Et cette épiphanie de l'identité spirituelle apparaît davantage qu'une découverte, elle est une reconnaissance. Car si Simon s'est levé pour prendre la parole, c'est parce qu'obscurément, il connaissait déjà son ministère pétrinien. Il était déjà docile et soumis à l'Esprit qui fait de lui le premier des apôtres. Et donc la parole du Christ qui lui permet d'accéder à la pleine connaissance de ce qu'il est, est pour lui une parole de reconnaissance. Il découvre ce qu'il connaissait obscurément. C'est le premier sens du mot reconnaissance. Et il a la joie d'être reconnu par son Seigneur. Tu es Pierre. Jésus s'extasie. Jésus donne une parole de joie. Il exulte de joie. Tu es Pierre. Je te reconnais bien là. Tu es mon disciple. Tu es le premier de mes apôtres. Tu es celui qui confesse ma divinité. Tu es Pierre. Il y a de la joie dans la voix de Jésus. Et cette reconnaissance du Christ ou par le Christ est fondatrice pour Saint Pierre, évidemment. Je n'en dis pas plus, en tout cas nous prendrons le temps de faire se croiser toutes ces notions, nous prendrons le temps de dénouer toutes les pistes bibliques que nous découvrirons de mettre en correspondance tous les passages de l'Ancien et du Nouveau Testament qu'on trouve ainsi résumés dans ce dialogue tu es le Christ tu es Pierre et nous entendrons en arrière-fond un dialogue plus fondamental plus essentiel mais un dialogue toujours mais cette fois-ci avec Dieu le Père la reconnaissance ultime la reconnaissance vivifiante la joie incomparable de s'entendre dire tu es mon fils bien-aimé en toi j'ai mis ma complaisance frères et sœurs il est midi Garden Regina celi letare alleluja.